Bon, salut à tous. Vu que je suis mauvais et que j'ai fait une photo sur mon premier run, je réexplique. Bon, je suis au Speed RC de Grenouille dans l'Oise. Je teste enfin un circuit TT avec le VS2 qui est en bas là. Voilà, j'ai fait un pack déjà. C'est dur au possible, c'est très très technique. Mais ce qui est cool, c'est que ça permet d'apprendre, donc ça c'est plutôt positif. Donc, là, je vous propose de. Qu'on roule un peu ensemble et qu'on voit un peu l'évolution. Donc là j'ai un buggy VS2 en 4S, du coup je l'ai repassé. Un moteur 2000 kV avec le vario Max 8. Des pneus à l'arrache parce que j'ai pas pu recevoir mes pneus à temps. Donc là c'est un vieux train de pneus Louise qui fera l'affaire pour aujourd'hui. Et puis voilà, et puis on va essayer de faire évoluer à la marge un petit peu parce que je vais pas non plus mettre un budget de fou là-dedans. Essayer de le faire un petit peu évoluer pour voir un petit peu la progression en allant. Donc là j'ai refait mes huiles aussi, donc je suis en 15 000 à l'avant, 10 000 au centre et 7 000 à l'arrière par rapport aux grosses huiles de quand j'étais en bâche à l'extérieur. Donc voilà, on va voir, on va essayer de pas trop se retourner aujourd'hui, on va essayer. Donc c'est un terrain que je ne connais pas bien du tout. Là, le premier pack je l'avais fait avec des pneus VP Pro Bulldog. J'ai pas mal glissé franchement. Donc là c'est des pneus Louise que j'avais qui traînaient. Donc on va voir un peu ce qu'ils donnent, si je sens que c'est un petit peu mieux. La piste est très grasse, très lourde. Il a plu ces derniers jours, donc là il y a pas mal de bouillasse à gauche à droite. Donc on dérape pas mal, en plus d'avoir des pneus pas foufou. Donc c'est rigolo, ça permet de drifter un peu des fois. Ah ouais, comme je disais, là, ces pneus là ils sont morts de chez mort, ils sont à moitié lisses à l'arrière. Mais déjà je sens la différence avec les VP Pro où il y avait quand même pas mal de crampons et au final je pense que j'ai glissé à mort avec. Là je sais pas, j'ai un meilleur feeling déjà, malgré que ce soit des pneus entre guillemets loisirs quoi. C'était limite. Alors désolé d'avance, c'est pas mal de thermique. Et des fois on va plus trop m'entendre. Mais c'est la vie, il en faut pour tous. J'ai un meilleur feeling hein. En vrai, malgré qu'il soit. Le problème, c'est que je peux t'en prêter, moi, mais c'est des petits picots quand il arrive, ils vont se charger de loot. Ouais, ouais. Là, c'est des petits picots aussi, mais déjà, je sens que. Voilà, faut. J'ai l'impression. Thank you.
Ah. Merci. Merci. Je suis dans les whoops là. Attention.
Merci. Attention, sur le ligne droite, au fond. Tu peux essayer de me retourner, s'il te plaît. Oui. Là, j'ai des rangs. Attends, t'as tout à l'heure. Tu sais, tu peux essayer de me retourner. Oh, dégage. Ah, si, quand même. Un peu, quand même. Regarde ton fond, il y a sur la ligne droite, il y a une voiture retournée. Vas-y, en route, on retourne. Passons avant la table en bois. Personne qui roule. Ah ouais, mais tout le monde est sur le dos en fait. Je vais
Oui, aussi. Là, je vais faire un tour. Attention au fond. Il y a Bastien qui est encore retourné. Putain, la merde là. C'est bon, tiens. J'avais pas vu. Ah oui, il est encore devant moi. Ah non. Oh la vache. Ah. Au bout de la ligne droite. Dans le virage. Oula. Il faut le faire à venir sans mancher à deux ici. J'ai suivi, je sais pas. Oh, non, non, non. Un dôme là-bas, j'ai pas l'habitude encore. Il y a un carton là ? Ah non, je l'ai dit. Ah, il y a un tapis rouge là-bas, c'est bien là. Voilà, il a passé la pièce, il est énervé. C'est pas grave. Ça s'appelle pas être content. Non, c'est pas. Allez, ça va. Posez-y. Bon, on va un petit peu aider, hein. Tu parles de moi, les gars ? Tu t'es même pas touché ? Tu n'as pas touché ? Non, t'en fais bien. Non, non,
Ah, c'est une victime. Oh merde. Oh putain, je vais pas. Attends, la famille. Oh, mais c'est quoi celui-là? Mais c'est une seule chose. Ouais, c'est de la magie, Lilian. Lilian, il prend en saut, il sort sur lui. Lilian, c'est l'histoire de magie. Ouais, putain, la voiture a fini droit à tout. Merci, la soeur. Ouais, j'ai corps de boîte, putain. Ça tient pas la super vie, ça tient pas. Ouais, j'ai cassé Mathieu, Mathieu, ça va. Mathieu, voilà. C'est pas bon, j'y vais maintenant. Yes. Oh. Ah, pour un échange de pieds, ça fait rien du tout. Rien de bon. Oh la moquette là-bas. Oh putain. Merci. Ah, c'est pas de mal.
ça dans la double pont. Tu la kiffes. S'il te plaît, mon Loïc, chérie d'amour. Merci. Coupure, complet. Attention au virage. Hop, et le deuxième pack. Hop, bah ça va beaucoup mieux avec cela en fait. Ça va beaucoup mieux avec ces pneus qu'avec les VP Pro. J'ai beaucoup plus de grip. Juste débranché. Et rallumer, faire ballonner un coup. Hop là, faire un petit test température, voir un peu ce que ça dit. Et puis, il rigole avec les ventilos, la lipo, il est à 38, et le vario, il est à 38, ça chauffe rien du tout. Alors, on ne sollicite pas là, parfait. Mais voilà. Souple, un peu plus ferme à l'avant. Mes crapoutes, mon autre lipo, elle en est où? 388. Ouais, alors on va faire une petite pause du coup là. Bon, ben voilà, vous avez vu ce que ça donne. On va aller voir un peu de plus près au sol. Ici on a du thermique, on a du Mugen qui roule. J'y vais. Je sais pas qui c'est. Puis il faut ramasser bah, pour les autres hein, qui roulent. Hop. Donc là la voiture là. Un petit compétiteur là. Ça arrache pas mal en vrai. Hein. On va rester un peu là. On se rend pas toujours compte un peu, mais ça bombarde. Enfin, moi je découvre hein, personnellement donc.
techno. Alors on va suivre un tour lui. Bon, on va se laisser là-dessus. Wow. Et puis bah, à la prochaine, salut.